dans ta famille, c'est de l'œuf. Nous avons introduit toute cette grâce. Mais à la longue, Dieu va t'utiliser. À la longue, c'est ça. À la longue, il va te donner le don de vision. Tu vas travailler avec Dieu. Ça fait partie. Je libère toute ta vie. Je libère ta vie maintenant même. Je libère ta vie maintenant. Allez, lâchez-la. 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 Oui, lâchez-la. Le feu. 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 Libérez-la. 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 Lâchez-la, lâchez sa vie, lâchez sa vie, lâchez-la au nom de Jésus de Nazareth. Vous libérez sa vie, oui, vous libérez sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus, par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Lâchez-la, libérez-la, libérez-la, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, va, je libère ton âme, va, je libère toute ta vie, par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Lâche-la. 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 Libère-la, allez. Libère-la, allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libérez-la. La puissance de Jésus. Brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je libère ta vie. 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 Au nom de Jésus. Oui, je libère ta vie. Oui, je libère ta vie. Lâche-la. 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 Oui, lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Allez. Allez, allez. Oui, lâche sa vie. Lâche sa vie. Tu la libères maintenant même. C'est un ordre. Tu la libères maintenant même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Je te vois comme un mouton attaché pour le mois d'avril, et précisément le 4 avril. Tu vois qu'un arrière cardiaque coli va plus te réveiller. Oui. Mais je te prie pour toi. J'ai détruit toute programmation de mort faite contre toi. Et je déclare que le diable a échoué. Toute pratique du fétichisme vers elle, son âme et toute sa vie, je me lève contre cette tromperie en libérant son âme. La mort, touche-moi. 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 Je suis t'aider. Maintenant. Libère ton âme. Libère ton âme. Je commande à l'esprit de lâcher ta vie. Je commande à l'esprit de libérer ton âme. De libérer toute ta vie. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. La mort est déprogrammée. Je libère tout à ta vie. Le nom puissant de Jésus. Je proclame la délivrance. Amen. Lâche-la au nom de Jésus. Attention son bras. La puissance de Jésus-Christ te libère. La puissance de Jésus
te libère, la puissance de mon Dieu te libère. Oui, la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Oui, je libère ta vie. Je libère tes finances. Je détruis là où j'introduis ta vie. Et je te libère maintenant par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Lâchez-la. Libérez-la. Au nom de Jésus. N'aie plus peur, t'as compris? T'es délivré. C'est fini. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus te délivre. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Lâche-la. Libère son âme. Libère son esprit. Et tu libères tout son être par la puissance qui est dans le sang de la mort. Et proclame ta délivrance en libérant ton âme, ton esprit et tout ton être. Je vais la foule. La puissance de Jésus te libère. Sa puissance te libère. Amen. T'es délivré, va t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Il y a quelqu'un qui te va te délivrer, il y a quelqu'un. Comment t'appelles? Hein? C'est sorcier. Hein? Ça veut dire qu'il est dangereux. Ça te couche à ta maman. Hein? 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 Il a une âme en sorcellerie qui est très dangereuse, c'est l'urine. C'est pas ça, tu ne prends pas ton pipi. C'est pas ça? Pour envoûter les gens. C'est comme ça, tu brouilles, tu détruis leur étoile. Quand tu pisses. C'est ça? C'est ça? Comment tu fais? Hein? Monsieur, il faut bien expliquer. Je sais, mais explique très bien. Tu fais comment? Oui. Hein? Ça t'emboute comment? Quand il a poussé, il a dit au nom de tout le monde. Tu trembles pourquoi? Quand tu fais sorcellerie là, tu vas toujours rencontrer quelqu'un qui va te maîtriser. C'est comme ça. Et toi qui vas dans l'église des Irées pour détruire la vie de l'église, c'est toi. Hein? Cette nuit-là, Dieu m'a beaucoup parlé de toi. C'est ça?
il se transforme en araignée. Et puis tu vas dans les églises. Quand tu arrives là-bas, tu mets toi d'araignée mystique dans les églises pour les dire, pour éteindre ça spirituellement. C'est ça? Hein? C'est ça? C'est ça? Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu fais? Hein? Pour faire quoi? Pour garder les églises des gens. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Mais tu dis pas non. Je vais t'entendre parler. Fort. Confesse, voilà. Maintenant, il faut confesser. Oui, c'est un homme de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Amen. Voilà, voilà. Donc, moi, je ne dis pas que je suis le plus fort, mais pour chacun à sa grâce. Son homme de Dieu, il a iré. On s'entend très bien. D'ailleurs, celui qui l'a envoyé, qui a demandé à son frère de l'envoyer ici. Comme je dis, chacun espère dans quelque chose. Amen. Amen. Voilà. Quand tu as un problème, va nous voir le spécialiste. Ça n'est pas dit qu'il n'est pas voir. Pourquoi? Non. Ne voyez pas ça comme ça. Mais d'accord? Écoutons les aveux. C'est ça qui est mauvais. Son papa se retrouve dans une action. Nous allons le délivrer et délivrer le ministère de son papa. Ça n'est pas dit qu'il n'est pas fort. Moi, je suis quelqu'un. Le jour qui parle mal d'un pasteur, il est attaqué. Quand je vois un homme de Dieu parler mal d'un pasteur, je l'attaque. C'est comme ça. S'il est mauvais, c'est Dieu seul qui va le juger. Amen. Ah oui. Mais je ne vais pas permettre à quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui j'attaque un mystique? Parce qu'il parlait mal de l'église. C'est moi qui ai fermé sa bouche. Je n'aime pas qu'on parle de l'église. Oui, il y a des chaînes de télévision sur l'internet. Ils disent, hey, il ne faut qu'il parle mal des pasteurs. Lui, le pasteur, il est satanique. Il est comme ça. Il est satanique là. Tu peux fermer sa bouche. Tu peux prier pour son église à se fermer. Ça quoi à le dénigrer sur internet? On le dénigre. Je ne dénigre pas les pasteurs. C'est le jour où un pasteur m'attaque, il attaque. On est ensemble à Divo aussi. Le jour où tu m'as attaqué, je vais t'attaquer. Je vais te montrer que moi j'ai vu Jésus 33 ans, il n'a même pas vécu une fois. Oui, je suis arrivé à Zaroko. Les pasteurs ont commencé à m'attaquer. Que toi, un prophète, là. Tu lui dis, tu es prophète. On va t'inviter à rire. On va envoyer des malades. Chacun va prier. Le Dieu qui va guérir, il dit, oh, vous allez fermer vos églises. Hein. Vas-y, moi, c'est la mort de rire et aller vider. Pour vous montrer que Dieu m'a appelé. On n'est pas sur ce terrain. Je suis en train de chasser les démons du village des Aroko. C'est quoi vos problèmes? Vos problèmes, vous êtes dérangés. Vous venez quand les gens meurent. Bénis le Seigneur, l'entre, prends son âme. Non, il ne prend pas l'âme. Il y a quel problème? Je suis en train d'attaquer la sorcellerie, mais c'est vous ça dérange. C'est vous ça dérange. Attention. Mon combat n'est pas contre l'église. Sinon, j'ai vidé. Si il y avait une église à irer, tous vos fidèles à chercher moi vont venir prier. Parce que Dieu est moi. Donc, laissez ce combat-là. On n'est pas dedans. Voilà. Amen. Amen. J'ai dit, je n'ose même pas parler. Si vous me dérangez cinq fois, vous allez avoir cinq fois par là. Parce que moi, il ne m'était pas. La Bible dit qu'il faut répondre l'essentiel selon sa folie. Tu m'attaques, je t'attaque. Je vais te montrer que Dieu m'a appelé. Et les gens m'attaquent et ils ne parlent pas. Moi, tu m'attaques et ils parlent. C'est comme ça que je suis. Mais il y a des moyens. Amen. Voilà. Donc, je n'ai pas, moi, je n'ai pas affaire à l'église. Les pasteurs, tout ça, c'est salut. Chacun a son domaine. Chacun sait pourquoi il est venu dans le ministère. Si lui, il est venu faire avec de l'argent, c'est n'engage que lui. Il va payer ça demain. Dieu voit sa vie. Il s'était. Donc, moi, je n'attaque pas le pasteur. Les pasteurs, je suppose qu'on travaille ensemble pour le Seigneur. S'il est mauvais, il y a toujours la bébé galeuse partout. Mais quand un pasteur en difficulté, tu
qui sont sur mon aile, ce n'est pas la peine, moi, de l'aider. Je dis, mais non, chacun son domaine. On apprend toujours. Et puis dans la vie, on ne sait jamais. Donc quand tu as la possibilité d'aider les gens, il faut les aider. Amen. C'est pour ça que je n'aime pas. Il y a des chaînes de télévision qui se disent hommes de Dieu. Ils ne font que s'étudier les pasteurs. Lui, il n'est pas bon. Son église n'est pas bon. C'est votre travail, ça. Le travail d'église, c'est aller sauver les âmes. Pas pour dénigrer quelqu'un. Vous dénigrez les gens. Lui, là, il n'est pas Dieu. Lui, là, chez lui. Ça, c'est ministère. C'est depuis quand? C'est le travail de Satan. Celui qui accuse toujours l'accusateur. La Bible dit que le diable est l'accusateur. Nous devons sauver les âmes. Amen. Amen. Vous devez enseigner vos brebis. Vos brebis, quand elles sont enseignées, ils ont le discernement. Ils savent qu'il est bon pasteur, qu'il n'est pas. Ils le savent. Vous avez peur de quoi? Oh, j'ai pas peur. Non, n'allez pas chez Crasso. Je dis, ok. Quand quelqu'un fait garba, et puis quelqu'un a préparé tchèp tchèp, si on t'invite, qu'est-ce que tu allais manger? Alors, déjà ils sont malades. Oui. Tu as tiens bien un poisson bien rouge dedans, poisson ton poulet, tomate. Dans ta garba, il y a quoi? Un oignon sec, piment sec, c'est un pas huile. On dit mange. Dis-moi, il y a bien. C'est tiens bien, il y a les manger. Ah, il faisait comme ça. C'est vous qui êtes bon, l'entend, ça va? Ah. Quand quelqu'un est bien enseigné, il n'a pas peur. Ah, faut pas aller là-bas. Mais c'est pas, il mange mal. Quand tu le nourris, il béri. Il mange à gaba. Ou même gari. Moi, il y a un poulet aujourd'hui. Cherchez-moi, il va venir manger. Que Dieu nous aide. Amen. Oui, tu as fait quoi? Parce que toi, ton pipi là, c'est poison. Hein? Oui. C'est ça, non? Oui. Puis tu te transformes à araignée, et tu vas, tu spécialement dans les églises. Pour faire toi d'araignée et de toutes les églises. Mmh. Dieu m'a dit, le petit, il est très dangereux. Vas-y. Je voulais venir ici. Maintenant, on m'a chargé de gâter les poulets de mon papa. Hein? On m'a chargé de bloquer les poulets. Depuis quand tu es sorcier? Qui t'a donné la sorcellerie? C'est le premier de ma mère. Parle quoi, petit? Le premier fils de ma mère. Comment il t'a donné la sorcellerie? Parce que là, celui-là, il va faire quoi? Le premier fils de ma maman. Oui. Le premier fils de ma maman. Oui, explique comment il t'a initié. Un jour, il est venu à la maison. Et puis, ma maman est partie manger quelque part. Pas fort. Un jour, il est venu à la maison. Parce que ma maman l'a chassé. Depuis, elle est venue. Un jour, il est venu à la maison. C'était pendant la guerre. Il est venu à la maison. Ma maman est partie manger. C'est là que je l'ai initié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après l'initiation, c'est un travail, on t'a embauché. Tu as fait quoi? Maintenant, je suis venu à Iwe. Et ils m'ont chargé de bloquer les affaires de mon papa. Mm-hmm. Les affaires de mon papa. Et tu as bloqué? Mm-hmm. En quoi faisant? Bon, ces affaires, ces terrains qu'il a en passant, il a mis l'homme dessus. Ils m'ont dit de mettre l'homme dessus. Tu as noirci ça? Mm-hmm. Pour ne pas qu'on voie ça. Oui. Je ne pas qu'il ait d'argent pour faire l'église. Oui. Maintenant, après ça, quand il a commencé l'œuvre à Iré, il a dit, comment on appelle, ils m'ont dit de diviser son lui et puis son frère. En accusant la vie de son frère, que c'est qu'on a initié, et puis son frère va partir. Mm-hmm. Il a fait ça sans marcher. Mm-hmm. Il a divisé son frère. Maintenant, il y a des histoires entre les deux. Mmh. Maintenant, ça va? Non, ça va. Ça va. C'est ouais, ouais. On arrive. Oui, avance. Maintenant, après ça, quand il y a fini de les diviser dans l'œuvre, maintenant, c'est. Vous avez compris, non? Le diable divise toujours pour régner. Vous savez, quand vous avez une femme, ne permettez à personne de venir brûler vos relations. Le jour où tu ne vas plus t'entendre avec ton mari, c'est fini. Le jour où tu ne vas plus t'entendre avec ta femme, ça devient une porte d'ouverture. Vous devez tout faire pour que celle qui est avec toi soit un avec toi. Parce que la Bible est claire là-dessus. Hein?
Ils ne seront plus deux, mais seront, ils deviendront une seule chair. Vous savez, quand tu t'es converti, prie pour que ta femme se convertisse. Si elle ne voit pas de la même que toi, c'est un terrain satanique que tu as dans ta maison. C'est propre. Pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'aller te marier. Il faut bien réfléchir avant de prendre mari, avant de prendre une femme. Ce n'est pas bien avant de manger sans s'arracher. Et tout, viens te manger. Si ton mari n'est pas bien, qu'il n'est pas converti, il va te briser avec un chicken et un tomate sur toi. Attention, dans une maison divisée, a dit Jésus-Christ, ne peut pas subsister une maison divisée comme elle-même. Elle ne subsistera jamais. Le jour, la parole, faites un devoir pour vous réconcilier. Il ne faut pas faire mur de Berlin. C'est déjà cassé il y a longtemps. Laisse-moi, Hélène. Laisse-moi. C'est dangereux. Que le soleil ne se couche pas, c'est ta colère. Amen. Tu vas dormir vite. Là où tu es couché, c'est dangereux si tu gardes des choses contre ta femme et contre l'homme. C'est très dangereux. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Donc, il divise et puis frappe. Dis donc. Il n'y a plus d'entente. Personne ne va conseiller son camarade, il frappe. Je vous dis attention. Quand vous êtes quelque part dans la maison, faites des tests. C'est vrai que nous sommes des êtres humains, on peut avoir des accouchements, on peut se coucher un peu, on peut se bavarder. Mais il faut que l'esprit qui règne dans la maison soit un esprit d'unité. On s'entend. L'attente, si ça ne règne pas, que vous discernez qu'il y a quelqu'un qui vous met toujours en désaccord, chassez la personne. Ce n'est pas un péché. Pas un péché. Parce que la Bible dit que si ton bras gauche pour toi une occasion chute, il faut couper ça. La Bible n'a pas dit qu'il faut le casser. Il faut couper. Moi, je joue pas ça. Une fois, je vois les trucs bizarres, je me dégage de ça. Frère, la Bible, là, on peut perdre une vie, une façon de seconde. Je ne suis pas là pour ça. Non, c'est ma maman. Si on la chasse, elle va aller où? Elle ne sait pas où elle va aller. Elle ne sait pas. Non, son papa est mort. L'enfant l'a fait pitié. Il va te manger. Il va te manger une nuit. Elle sort de nous. Il va te manger. Il fait pitié. Hé, ma femme, pourquoi tu parles comme ça sur l'enfant? Mais il est dangereux. Que Dieu nous aide. Amen. Allons-y, petit. T'es dangereux, hein? Est-ce que j'ai vu la tête? Dangereux. Après ça, les pasteurs que mon papa a formés, ils n'étaient pas encore pasteurs et puis il y a eu une division aussi entre eux et mon papa. Ah. Maintenant, il y a créé. C'est ça, les apports sont partis. Il a mis la division entre le pasteur et ses élèves pasteurs. Il a créé, comme les disciples qui formaient, ils ne respectaient plus papa. Quand papa disait de faire quelque chose, il faisait plus. Et puis il faisait ce que eux voulaient. Et puis quand papa, souvent quand ils ont des révélations sur moi, ils disent à papa, papa n'est pas. Maintenant, c'est après ça maintenant qu'ils ont été utilisés, ils sont partis chez eux, à cause de mon affaire. Parce que Dieu leur montrait que. Il était sorcier. Et puis il disait à mon papa, et puis papa disait non, que c'est faux. Parce que lui, on a fait des choses que son cœur n'accepte pas. Et qu'il soit avec tout ce qu'on dit. La division qu'on a mis là, c'est ça qu'elle est venue. Si ça fait qu'il n'était pas même dévoilé jusqu'à présent, il était divisé. Même actuellement, lui, dans son cœur, il sait tout, il dit, c'est lui que c'est la fille de maman qui est ici. C'est ce qu'on a scellé. Maintenant, ils sont partis. Quand ils sont partis. Il les a séparés, les appelés. Ça a chassé l'église. Mais ils sont partis. Ils sont partis maintenant. Ils sont partis de la maison.
On a dans l'église, il y a les chaises qui sont dans l'église. Ils ont changé d'envoûter les chaises. Et quand un nouveau vient à l'église, il est converti, il ne reste pas. Ça va. Comment tu envoûtes les chaises? Les chaises, on a, comment on appelle, chié dans le canal, et puis il m'a donné le canal, et nous, les tâches. Ah non, tu mets les caca. Nous, on appelle ça Gounini. Gounini. Ah, vous dites ça aussi? Caca de sorcier, on appelle ça Gounini. Répétez, dites aussi des mèches Gounini. Ça dit, c'est pas bon caca, c'est pour sorcier. Ça gâte. Parce qu'il met, quand le fidèle s'assoit, c'est quoi ça? Gounini. Quand on a fini ça maintenant dans la maison. Dans la maison, la chambre de papa, il y a des caméras, des radars. Il y a des radars et des caméras qui sont placés dans la chambre de papa. Sur le lit aussi, sous le lit. Sous le lit de ton papa. Oui. Et sur le lit aussi, il y a des caméras. Quand il dit des choses, c'est que la maman, ça sort de la maison. Vous avez tous les secrets. Oui, alors. Dans la douche principale de la chambre, là-bas c'est un lieu d'atterrissage. On atterrit là-bas. Quand ils viennent d'atterrir, souvent ils font des réunions là-bas. C'est plus d'atterrissage. Comme à la réforme, ils sont moyens. La piste, tout ça. Vous descendez, vous venez à la rue. Vous venez dans la douche. Oui, mais ça c'est pas, c'est là-bas, là-bas, c'est la douche. Maman m'a pas fini, c'est là-bas. Ah, vous faites quoi? Et puis, on fait des réunions là-bas. Et puis, souvent, on descend pas là-bas. Pas le fort, on fait des réunions là-bas, et puis on descend dans la maison pour attaquer. Vous faites quoi? Quel genre d'attaque? Non, on attaque, si c'est en train de prier, on vient, on t'alloudit, on t'attaque. On rentre dans la maison. C'est-à-dire que toi, après de Dieu, là, ça... J'aime narguer. Tu déranges les yeux de Dieu. Maintenant, on attaque ça. Et puis, dans la chambre aussi des pasteurs. Tous les habits des pasteurs aussi, maintenant, on goûte les habits du pasteur. Des choses. Les pasteurs forêts. Oui. Les habits étant goûtés, on rentre dans la chambre, on goûte ça. Comment tu peux m'en goûter? C'est la même chose, les caca qu'on voit en bas. Tu vas au Gounini, tu mets, tu les habilles. On peinture. On est peinture. Donc quand le pasteur prend, il est envoûté. Après. Laissez-moi poser les questions, hein. Je vous comprends, mais laissez-moi. C'est moi qui pose les questions. Oui, alors? Maintenant, dans la maison aussi, quand on vient, on envoûte l'eau, la nourriture. Ils envoûtent l'eau, la nourriture. Et tout cela, vous devez connaître tout ça. Maintenant, dans ma chambre où je dors, il y a une porte qui est sur le mur, où il y a les affaires. Cette porte, là-bas, il passe et puis il est là-bas. Il fait quoi là-bas? Il passe et puis il sort pour aller là-bas. Ah, tu as une porte de sortie où tu débouches dans le monde la sorcellerie. Quand on arrive dans la maison, jamais vous avez une autre porte. La porte de sortie et d'entrée. Ça, c'est ma porte. Spécial. Maintenant, la guérissage, la guérissage. Maintenant, là-bas, ils m'ont donné des choses. Ils m'ont donné des royaumes. Ils m'ont donné des choses. Des avions, des aéroports, des voitures, des palais. Et puis ils étaient avec eux. Et ils vont toujours me garder. Ils vont me mettre des avions, des palais. Même ils m'ont donné une femme. Ils m'ont donné des enfants. Trois enfants. Des palais, des avions, des voitures, des tout. Là-bas, ils m'ont gardé ici. Et tu as tué combien de personnes? 7 personnes. 7 personnes. 7. 17, voilà. 17. 17 personnes. Comment tu les tues? Quand ils les tuent, on nous envoie sur des missions.
aller tuer des gens. On arrive dans ma chambre, il dort, on est sous temps, et puis on fait. En ce moment, on rentre dans mon corps, et puis on se concentre, on le tue. Maintenant, il y a le 3 décembre 2013, il devait tuer mon cousin, le fils de mon nom. Lui, ça, pour le tuer, c'est Elvis. Pour le tuer, lui, c'est homme du feu. Il allait le brûler, 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 brûler. Jusqu'à serrer sa bouche pour le tuer. Vous l'avez tué? Non, il n'est pas mort. Ça a été le tuer. Il a rien de tout ça. Il n'est pas mort. Il t'a tué 17 personnes de ça? Ta spécialité, c'est les têtes de l'église. C'est comme un bébé, comme un bébé. Maintenant, moi, mon rôle là-bas, c'est d'exécuter tout ce qu'on a fait. Je suis avec le chef, le patron, qui s'appelle Élie Norbert. Non. Il n'y a pas de roulement déjà. Non. Je dirai ça après. Ouais. Non. Nous, c'est de ces aveux qu'on a besoin. Les mains de sa confrérie, ça peut créer d'autres choses. On n'a qu'à rester. Si on est dans le village, on a besoin de ça. Non, tu auras besoin de ça, oui, Claude, il va te dire. Non. Non, c'est pas. Non, on ne fait pas ça. On n'arrête pas ça. Non, on aide les gens, on aide les gens. On va doucement pour aider. Justement, c'est ça qui n'est pas bon. L'intention des arrêtés n'est pas bon. Tu me promets, non? Tu n'es pas arrêté. Non, tu me promets. Voilà, parce que je ne veux pas commencer une chose et puis tu vas arrêter, c'est pas bon. Nous, c'est pour aider les gens. Allons-y. Pas le nom, non, je n'ai pas besoin des noms de ta compter, non, ça m'intéresse pas. Maintenant, dans l'église encore. Quand souvent on finit le culte, les gens sont en train de faire des réunions. Ils ont placé un esprit de radar en moi. Ils permettent d'écouter un des départements pour les réunions. On va à côté de j'écoute tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils veulent faire. C'est la jeunesse, tout ce qu'ils veulent faire. J'écoute et puis je vais dire, ah, voici ce qu'ils veulent faire. Tu apportes des informations. Dans l'église, il y a plus d'informations.